Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer une situation qu'on rencontre dans de très nombreux exercices, comme dans cet exercice qui est tombé au bac. Et c'est quoi cette situation C'est le fait qu'on ait un arbre pondéré et dans cet arbre, il y a certaines branches dont on ne connaît pas la probabilité. Et quand justement on vous demande de calculer la probabilité de ces branches, eh bien il faudra penser à utiliser la formule des probabilités totales. Alors que dit la formule des probabilités totales Eh bien, si vous voulez calculer par exemple la probabilité de B, vous commencez par trouver dans votre arbre tous les chemins qui amènent à B. Donc par exemple, dans cet arbre, il y a deux chemins qui amènent à B. Ce chemin-là et ce chemin-là. Et ensuite, vous faites la somme des probabilités des chemins qui amènent à B. La probabilité de ce chemin, c'est A fois B. La probabilité de ce chemin, c'est D fois E. Et donc, comme ces deux chemins, ce sont les seuls qui amènent à B. Eh bien, la probabilité de B, c'est A fois B plus des fois c'est-à-dire la probabilité de ce chemin plus la probabilité de ce chemin c'est ce que j'ai écrit ici voilà ce que dit la formule des probabilités totales et quand dans l'arbre il y a des probabilités que vous ne connaissez pas, par exemple, imaginons qu'ici vous ne connaissez pas la valeur de E, et eh bien vous l'appelez X. Et si ici vous avez X, ici vous aurez 1 moins X, parce que la somme des probas qui partent d'un même nœud, ça vaut 1. Et donc ici vous allez appliquer la formule des probas totales, sauf qu'au lieu, par exemple, ici d'avoir E, vous aurez X. Et donc vous aurez, vous allez voir, vous allez tomber sur une équation qui contient des x, et vous résoudrez cette équation pour trouver la valeur de x, c'est-à-dire la probabilité de cette branche. Donc voilà, je n'en dis pas plus, j'ai rappelé tout ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous dit qu'on a un sportif qui va subir un contrôle antidopage. Et donc ce contrôle, il peut être soit positif ou pas positif. C'est-à-dire, il peut être T ou T bar. Et le coureur lui-même peut être soit dopé, soit pas dopé. Ce sera D ou D bar. Il faut bien comprendre que le contrôle, il n'est pas fiable à 100 C'est-à-dire que le coureur peut très bien être dopé et ne pas avoir un contrôle positif, ou inversement, le coureur peut ne pas être dopé et avoir un contrôle positif, parce que le contrôle n'est jamais fiable à 100 Alors maintenant, la première chose à faire, comme dans tous ces exercices de probabilité, c'est de traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Première façon, soit on se dit le coureur est dopé ou pas dopé, et s'il est dopé, soit son contrôle est positif ou n'est pas positif. Mais il y a une autre façon de voir les choses, complètement inverse. Soit on se dit soit le coureur est positif ou pas positif, soit le contrôle est positif ou pas positif, et ensuite soit il est dopé ou pas dopé. Donc, il y a deux arbres possibles au début de l'exercice. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous demande Dans la première question, on note P la probabilité de D, et on nous demande de trouver petit P, c'est-à-dire on nous demande de trouver la probabilité de D. Alors, je voudrais insister sur un point très important ici le nombre qu'on met là, c'est la probabilité de T, et le nombre qu'on met là, c'est pas la probabilité de D, c'est la probabilité de D sachant T. De même ici, c'est pas la probabilité de débarre qu'on met, mais la probabilité de débarre sachant T. Donc, dans cet arbre. Nulle part n'apparaît la priorité de D. Ici apparaîtra la priorité de D, sachant T. Et ici apparaîtra la priorité de D, sachant T bar. Mais dans cet arbre, il faut bien comprendre que nulle part n'apparaîtra la priorité de D. Alors que dans le premier arbre, ici, vous aurez la priorité de D. Et comme on nous demande la priorité de D, eh bien, ça suggère qu'il faut utiliser cet arbre et pas celui-là, parce que je le répète ici, nulle part n'apparaît la priorité de de donc ce deuxième arbre, on va l'effacer et on va travailler sur ce premier arbre. Alors maintenant, on va relire l'énoncé et on va traduire ce qu'on nous dit, les données, sous forme mathématique. Alors la première chose qu'on nous dit, c'est que P de T égale 0,05. Mais P de T, on ne peut pas le mettre ici parce que je répète qu'ici, c'est P de T sachant D. Donc pour le moment, cette donnée, P de T égale 0,05, on ne peut pas la mettre quelque part dans notre arbre. Donc pour le moment, on la laisse de côté. Alors, ensuite, ici, on nous dit si un coureur est dopé, ça veut dire si un coureur est dopé, ça veut dire sachant qu'un coureur est dopé, la priorité que le contrôle soit positif, c'est 0,97. Donc, c'est sachant que le coureur est dopé, donc c'est une priorité conditionnelle. C'est la priorité que le contrôle soit positif, c'est-à-dire la priorité de T, que le contrôle soit positif, sachant que le coureur est dopé. Donc, la priorité de T sachant D, on nous dit que cette priorité vaut 0. 97. Et je répète encore pourquoi, on nous dit si un coureur est dopé, ça veut dire sachant qu'il est dopé, la probabilité qu'il soit positif, c'est 0,97. Donc la priorité d'être positif sachant qu'il est dopé, c'est 0,97. Voilà comment on traduit cette première phrase. Et la probabilité de T s'achant D, la priorité de T sachant D, elle se met ici. Donc ici dans notre arbre, on a 0,97. Et si ici on a 0,97, et eh bien sur cette branche on a 0,03. Parce que la somme des priorités qui partent d'un même nœud doit faire 1. Donc 0,97 plus 0,03, ça fait bien 1. Donc je répète, si ici on a 0,97, il faut bien penser tout de suite à mettre qu'ici on a 0,03. Et maintenant, dans cette deuxième phrase, on nous dit que si un coureur n'est pas dopé, la priorité que le contrôle soit positif, c'est 1%. Donc c'est la priorité que le contrôle soit positif mais sachant qu'il n'est pas dopé, c'est-à-dire sachant débat, barres. Et eh bien cette probabilité, dans cette phrase, on nous dit qu'elle vaut 0,01. Et cette probabilité, elle se met où dans notre arbre Comme c'est la probabilité de T sachant des barres, de T sachant des barres, elle se met ici. Donc ici on a 0,01. Et si ici on a 0,01, ici on a 0,99 pour que la somme des probabilités qui partent de débat soit égale à 1. Dernière chose, on nous dit qu'on appelle petit p la probabilité de D. Donc petit p est ici. Et donc ici on a 1 moins p. Là encore, pourquoi Parce que la somme des probabilités qui partent de ce nœud doit faire 1. Donc si ici on a p, ici on a 1 moins p. Voilà, on a terminé de remplir notre arbre et maintenant on va pouvoir conclure. Alors, nous, justement, ce qu'on nous demande de calculer, c'est petit p, cette valeur-là. Et je vous ai dit que quand dans un arbre, il y a une valeur que vous ne connaissez pas, la probabilité d'une branche que vous ne connaissez pas, il faut penser à utiliser la formule des probabilités totales. Et ça tombe bien, il y a une donnée qu'on n'a pas encore exploitée, c'est la probabilité de t. Et à quoi est égale la probabilité de t Eh bien, on prend tous les chemins qui amènent à t il y en a deux ici, celui-là et celui-là. Et la priorité de ce chemin-là, c'est ça fois ça. La priorité de ce chemin, c'est ça fois ça. Et donc, ça fois ça plus ça fois ça, c'est égal à la priorité de T. Or, cette priorité, on sait qu'elle vaut 0,05. Donc, si je répète, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on fait ça fois ça plus ça fois ça, on calcule donc la priorité de T. Et bien, ce calcul, ça fois ça plus ça fois ça, c'est égal à 0,05. Et donc, on va tomber sur une équation en P. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à la. Résoudre. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Et donc j'écris, d'après la formule des probabilités totales, P de t, c'est égal à quoi Eh bien on prend tous les chemins qui amènent à t, donc ces deux-là, et on fait la somme des probabilités de ces chemins. Et la probabilité de ce premier chemin, c'est P fois 0,97, c'est ce que j'ai écrit ici, plus la probabilité du second chemin, c'est-à-dire 1 moins P fois 0,01. Et tout ceci, c'est. P de t, et P de T, on sait qu'il vaut 0,05 d'après l'énoncé. Donc tout ceci c'est égal à 0,05. Et donc là, on a presque fini parce que qu'est-ce qu'on a obtenu On a obtenu une équation et il y a une seule inconnue, c'est P. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à isoler P ici pour trouver sa valeur. Alors ici, ça fait 0,97P. Ensuite, ici, je développe, ça fait 1 fois 0,01, ça fait donc 0,01. Et ici, ça fait moins P fois 001. Autrement dit, moins 0,01p. Et tout ceci est égal à 0,05. Maintenant, je vais regrouper CP avec cela. Et donc 0,97p moins 0,01p, ça fait 0,96p. Et ici, je soustrais 0,01, donc ça fait 0,05 moins 0,01, ce qui fait 0,04. Et donc 0,96p est égal à 0,04. Et donc P c'est égal à 0,04 sur 0,96, c'est ce que j'ai écrit ici, je multiplie par 100 en haut et en bas, et donc ça fait 4 sur 96, et si vous simplifiez, vous obtiendrez 1 sur 24. Voilà qui termine la première question. Donc on a réussi à trouver la valeur de P, donc la probabilité de cette branche c'est 1 sur 24. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous dit qu'un coureur a un contrôle positif, quelle est la probabilité qu'il ne soit pas dopé Donc on nous demande la probabilité qu'il ne soit pas dopé. C'est-à-dire la probabilité de débar, mais on sait qu'il a eu un contrôle positif, donc c'est la probabilité de débar sachant T. Voilà ce qu'on nous demande dans cette deuxième question. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette probabilité, on la lit pas directement dans l'arbre. parce que le nombre qu'on a ici, c'est la probabilité de T sachant débar, la probabilité de T sachant débar, et nous on nous demande exactement le contraire. On ne nous demande pas la probabilité de T sachant débar, on nous demande la probabilité de débar sachant T. Donc cette propriété, on ne la lit pas directement dans l'arbre, il va falloir faire un calcul. Parce que je le répète, ici c'est la propriété inverse, c'est-à-dire c'est la propriété de T sachant débat. Donc là il va falloir faire un calcul. Alors je rappelle la formule du cours, c'est que quand on vous demande la propriété de A sachant B, c'est égal à la propriété de l'intersection, c'est-à-dire de A inter B divisé par la propriété de B. Donc ici, si on applique, si on applique cette formule la probabilité de débar sachant T, si on applique cette formule c'est égal à la probabilité de l'intersection c'est-à-dire de T inter débar divisé par la probabilité de T alors la probabilité de T on la connaît depuis le début c'est 0,05 et P de T inter débarre, c'est ce chemin-là T inter débarre, c'est ce chemin-là et sa probabilité à ce chemin c'est ça fois ça c'est-à-dire 1 moins P fois 0,01. Et je répète encore pourquoi. Quand vous voulez la priorité de T interdébar, T interdébar, ça correspond à ce chemin. Et la priorité de ce chemin, c'est ça fois ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, comme on sait que P p que p ça vaut 1 sur 24 p ça vaut 1 sur 24 1 moins p c'est le complément à 1 le complément à 1 c'est 23 sur 24 donc ce nombre là il vaut 23 sur 24 c'est ce que j'ai écrit ici et 0,01 sur 0,05 si on fait fois 100 en haut et en bas ça fait 1 sur 5 donc voilà ce qu'on obtient et ensuite il n'y a plus qu'à calculer et si vous faites le calcul, 23 x 1 ça fait 23, et 5 x 24, ça fait 120. Donc la priorité qu'on nous demandait, la priorité de débarre sa chanter, eh bien c'est 23 sur 120. Voilà qui termine la deuxième question, et donc cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice Eh bien, la principale chose à retenir, c'est que quand dans un arbre, il y a une branche dont vous ne connaissez pas la probabilité, eh bien, justement, il faut penser à utiliser la formule des probabilités totales, exactement comme on l'a fait ici, et on tombe sur une équation, on résout cette équation pour trouver la probabilité de la branche qui nous intéresse. Ici, c'était P, c'est-à-dire la probabilité de D qui nous intéressait. Donc, retenez bien, quand vous ne connaissez pas la probabilité d'une branche, Pensez à utiliser la formule des priorités totales exactement comme on l'a fait dans cet exercice. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce vers le haut.